Et bonsoir, bienvenue dans ce 11e épisode HelioCast. J'espère que vous allez tous bien dans le chat, n'hésitez pas à nous dire, à nous envoyer plein de petits emotes. J'espère que vous allez bien, que vos projets ils fleurissent avec l'arrivée du printemps. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat à nous dire sur quoi vous bossez en ce moment, ce que vous faites. Et si vous êtes nouveau, à vous présenter, comme d'habitude, c'est vrai que je le dis plus beaucoup, mais vous pouvez vous présenter, il y a plein de gens dans le chat qui vous répondront avec bienveillance. Merci pour l'abonnement, le 10e mois, oh là là, ça fait trop plaisir, on commence bien l'émission. Pour ceux qui nous rejoignent, du coup, pour la première fois, je vais présenter un petit peu ce que c'est que HelioCast. Donc HelioCast, c'est une émission de vulgarisation sur le design, donc on parle de design, de création, de métier d'art, on parle d'un petit peu tout ça, et à chaque fois on a un invité ou une invitée qui vient nous parler du coup de son métier. Donc ce soir on reçoit Alexis. Salut Alexis. Salut. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors, merci beaucoup merci à d'avoir toi. Accepté de venir nous parler de ton métier du coup de peintre en lettres. On va parler un petit peu de tout ça. Moi, c'est un épisode que j'attendais depuis très très longtemps, parce qu'on va parler du métier du coup de peintre en lettres. C'est un métier qui personnellement me fascine. On en a déjà un petit peu parlé tous les deux. Ça me fascine depuis plusieurs années, donc je suis très 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 contente de parler de ce métier aujourd'hui. Donc on va parler de ton métier, de tes inspirations, de ta vie de créatif. Donc j'espère que ce thème va vous plaire. En tout cas, sur les réseaux, vous avez été nombreux à réagir à la suite de l'annonce du thème. Donc écoutez, je suis ravie que ce thème qui me plaît à moi vous plaise autant. Pour ceux qui arrivent en cours de route, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il n'y a pas de questions bêtes. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, du moment que ça rentre dans le cadre de la partie professionnelle. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais demander à Alicia et Toto qu'est-ce que ça vous évoque, la peinture en lettres. Est-ce que vous connaissez? Je connaissais pas le terme, je connaissais le métier, mais je connaissais pas le terme associé. Et en vrai, moi, ça m'évoque ma ville de naissance, parce qu'en fait, c'est une vieille ville. Et il y avait des vieilles devantures, et notamment une confiserie qui s'appelait À la Rosière, qui avait été faite comme ça. Et du coup, voilà, ça m'évoque ça, ou certains quartiers parisiens aussi, qui ont des devantures comme ça. Enfin, en tout cas, ça m'évoque le commerce avant tout. Paris, ouais, et Londres aussi beaucoup. Enfin, en Angleterre, c'est très ouais. Tout ce qui est top trottoir, c'est beaucoup plus mis en avant. C'est pas la même culture, quoi. Ok. Merci pour vos petits vos petites évocations. Donc du coup, on va commencer par parler un petit peu de toi. Est-ce que tu peux te présenter et expliquer ton métier de manière le plus accessible possible? Ouais. Le métier de peintre, je vais me présenter déjà. Vas-y, dis-nous qui tu es. Donc je m'appelle Alexis Fidelin, j'ai 33 ans et ça fait à peu près 4 ans que j'exerce le métier de peintre en lettres. Ce métier-là, moi je le connaissais déjà depuis quelques années, mais j'ai toujours travaillé la lettre par plaisir et c'était un peu un truc un peu ultime pour moi. Et en fait, j'avais toujours ça un peu dans un coin de la tête et puis voilà, un jour je me suis en gros formé à passer à ce métier-là. Et ce métier de peintre en lettres, en gros, principalement, c'est la peinture de lettres ou d'éléments visuels, de peinture d'enseigne, multi-support, plutôt durable. Et ça peut aussi comprendre la création ou la création de logos, de visuels, ou ça peut être juste de la reproduction, ça peut être de l'adaptation. C'est principalement la peinture ou la peinture à la main, avec les mêmes techniques les techniques de peintre en lettres, qui sont les mêmes qu'on n'a pas évolué depuis des années, des dizaines d'années. On va en parler de ça d'ailleurs. Donc, voilà. J'ai plein de questions. À peu près tout support. Après, il y a aussi il y a différentes disciplines. Il y a plein de façons de faire vivre ce métier, mais la base, c'est ça. Ok, merci déjà pour cette petite description. Oui, Fidelin avec une majuscule, je suis désolée, c'est de ma faute. J'ai la majuscule à sauter. Je m'excuse platement, excusez-moi. J'avais une question. Alors attends, parce qu'il y a déjà une petite question sur la durabilité des enseignes. Donc les enseignes que tu peins, combien de temps ça dure?
Et ben, ça dure très longtemps, c'est pour ça que les peintures sont vraiment, c'est des peintures spécifiques, donc l'idée, qui sont conçues pour durer, pour résister aux éléments à l'extérieur, et l'idée, c'est pour ça qu'on voit encore des enseignes très très vieilles, de plusieurs dizaines d'années. Là, des fois, t'en vois sur les murs, voilà, c'est des pubs des années 80-90. Il y en a qui réapparaissent, les gens cassent les façades et font réapparaître des choses, ou même certaines qui durent vraiment très très longtemps. Donc là, la durabilité, elle est très très longue, bien plus que des stickers, que des choses comme ça. On va en parler. Voilà. Ouais, parce que d'ailleurs, quand il y a des devantures abîmées, souvent c'est le bois des fois, il y a certaines couleurs qui passent plus que d'autres en raison des pigments, des choses comme ça. Mais c'est des peintures spécifiques qui sont vraiment conçues pour durer très longtemps. Ah, du coup, tu as ce truc de presque transmission, je trouve. Il faut vraiment les gratter pour les enlever, sinon il faut. Faut poncer, quoi. C'est trop triste. Mais c'est vrai que des fois, tu vois des bâtiments, ils font péter des bâtiments et du coup, tu revois. Il y a des choses qui apparaissent. Tu redécouvres et je trouve ça parfois, tellement bien. Parfois, certains éléments, et ouais, ça, c'est génial. On en parlait aussi avec Célia, qui était venue dans une des premières émissions, où elle est architecte et des fois, on disait justement, quand ils font des travaux, des choses comme ça, ils font péter du placo et ils découvrent des moulures, des trucs incroyables qui ont été faits par des artisans et c'est hyper ouf. Donc, c'est un peu le même truc où tu redécouvres des trucs hyper chouettes, quoi. Donc, je trouve ça très, 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 très bien. J'avais une question par rapport à ton process. Comment toi, tu fais tes projets avec les clients? Est-ce que tu les rencontres? Comment tu envisages le truc? Tu fais des croquis? Ça dépend surtout du projet du client. Mais moi, j'aime bien rencontrer les gens ou voir les lieux au maximum. Après, ça dépend. Ouais. Bon, quand c'est des choses assez simples, la reproduction, j'ai pas forcément juste des photos, ça suffit. Mais quand il y a de la. Enfin, je peux des fois reproduire des logos. Les gens, des fois, ils m'envoient déjà les fichiers à taille. Ça va. Des fois, ils me demandent, ou même moi je propose d'adapter, parce qu'un logo, ça peut être, ou un visuel, ça peut être bien suivant un certain usage, pour une carte de visite, pour, je sais pas, pour un menu d'un restaurant, mais pour une enseigne, ça peut être bien de le faire vivre autrement, et lui apporter juste un petit twist, quelque chose qui va mettre en valeur l'ensemble. Donc des fois, c'est voilà, adapter un visuel existant pour une enseigne, pour de la vitrine, des choses comme ça. Et puis parfois, c'est de la création aussi. Moi, je peux créer des logos, alors toujours avec la pâte. Je commence toujours à la main, toujours avec des logos peintres en lettres. Ouais, parce que t'es manuel, de toute façon. Mais je peux créer des logos et c'est ce que j'aime aussi. Moi, c'est adapter, faire vivre un logo avec un lieu. Et là, j'aime bien vraiment m'inspirer du lieu et j'aime rien faire une vraie relation avec le lieu, que le logo passe pas, que ça serve vraiment le lieu, puis comment il va vivre et puis réfléchir. Ouais. Moi, j'aime beaucoup réfléchir au placement aussi de signalétique extérieur-intérieur pour voir comment ça va vivre, etc. C'est vrai que tout ça, c'est des choses que les gens voient pas du tout, en fait. Parce que toi, tu réfléchis en amont. Et en fait, des fois, les gens, c'est bon signe quand ils ne le voient pas, c'est qu'ils sont plutôt bien aiguillés. C'est que ça, c'est nickel. C'est bien calé. Mais après, des fois, les endroits ont besoin de vivre pour voir comment ils... Enfin, faut pas forcément tout faire dès le début. Mais moi je m'adapte un petit peu, des fois j'ai des ça dépend je propose toujours souvent des petites choses aux clients parfois pour adapter, mais bon, ça dépend. On voit d'ailleurs je vous passe des petites photos en même temps, comme ça vous pouvez voir un peu le travail d'Alexis. On va voir à quel point c'est minutieux. Et du coup, en parlant de ton process, tu as plusieurs médiums. Donc, est-ce que c'est full peinture? Tu as aussi de la feuille d'or. Ouais. Comment ça, est-ce que tu peux nous en parler de ces médiums là? Alors, la peinture principalement, c'est la base, disons, parce que c'est comme ça qu'on apprend. On voit la maîtrise des peintures et du geste. On apprend toute notre vie, mais il y a des bases. Et donc principalement en peinture, qui sont donc à peu près tout support, enfin une grosse partie des supports. On voit des choses sur vitre, ça peut être aussi sur l'intérieur, sur l'extérieur des vitres, c'est des rendus différents. Suivant les supports, ça peut y avoir des rendus différents. Une grosse partie se fait en peinture. Et puis aussi de la feuille d'or. Donc le timing. Voilà. Donc, et puis moi ce que j'aime bien aussi, c'est mixer la peinture et la feuille d'or, comme on peut voir là. Donc la feuille d'or, je parle de feuille d'or, mais... on peut travailler différents métaux, des feuilles de différents métaux. Ok. Je savais même pas. Il y a l'argent, le cuivre, enfin il y a même plein d'autres métaux. Ouais. Moi je travaille principalement l'or et c'est ce qui est le plus travaillé parce qu'il permet en fait de travailler différentes teintes. C'est-à-dire que l'or pur à 24 carats et plus on descend en carats, plus il va y avoir d'alliage. Donc plus il va être plus argenté si on tire vers des 16, des 12 carats, des choses comme ça. Donc ça permet de travailler différentes teintes, différentes couleurs. Et surtout,
Bon, c'est ça, on pourrait faire une émission juste sur ça, mais c'est, on parle de matériaux et de choses vraiment vivantes, donc je ne suis pas un spécialiste, mais c'est plus... Enfin, moi, c'est ce que je préfère travailler, j'ai essayé d'autres métaux, mais l'or, c'est assez malléable aussi, et c'est... Voilà, c'est rendu, et puis à poser, c'est un peu touchy, mais c'est... satisfaisant. C'est un peu touchy, mais c'est sympa. Et là, il y a deux techniques principales sur les feuilles de métaux. Donc, c'est pour avoir un rendu miroir qui est un peu l'effet waouh. Ouais. Donc là, on va venir lisser la feuille d'or sur l'intérieur d'un verre, sous verre, pour pouvoir le voir de l'autre côté. Et on va la lisser avec une mixion spéciale pour en faire de l'eau et de la gélatine, il n'y a rien de secret, pour la faire juste adhérer, donc on va la faire adhérer par électricité statique, on va la prendre avec des pinceaux ou des petits outils spécifiques, et on va la elle va venir se poser, et en séchant ça va faire un miroir, quoi. C'est comme ça qu'on fait un miroir, c'est du métal derrière une vitre, donc là après on va l'emprisonner, et puis on va l'emprisonner, et puis on va faire le en peignant avec une huile spéciale, on va faire un motif, après on fait le motif qu'on veut. Et l'autre technique, c'est on dit mat, mais c'est plus de surface, en fait. Ouais. Là, on va venir peindre avec une huile, un peu une sorte de colle, là où on voudra que ça reste. Et puis au bon temps de séchage, on va venir apposer la feuille d'or, retirer. Donc là, on n'a pas l'effet miroir, mais on a le grain de l'or. C'est très joli, ça prend bien la lumière aussi. Ouais. Les deux techniques sont intéressantes. Après, le miroir, c'est que sous verre, en fait. Ouais. Donc tu as une contrainte qui n'est pas la même sur si tu fais sur une enseigne. Après, puis ça dépend des usages, des... Ok. Il y a Alexandra qui nous dit passion et Bart qui nous dit la précision est dingue. Question sur les outils, est-ce que tu utilises souvent les mêmes pinceaux, les mêmes peintures et les mêmes matériaux ou est-ce que tu varies? Donc, enfin, c'est un peu ce que tu disais, du coup, tu as un peu tes... Ouais, des non, après, ouais, bah, il n'y en a pas 50 000 non plus. Déjà, les outils, les pinceaux, j'en ai pris un. Ouais. De base, principalement, c'est des pinceaux. Ah, c'est hyper fin. Voilà, c'est très long. Ça c'est assez long. Bon, ça, c'est un peu le base quand on fait de la lettre. C'est très fin et ça permet de faire des. Voilà, un des bout très carré, ouais. Voilà, c'est très plat, en fait. Et en fait, c'est ce qui permet. C'est les pinceaux de base. J'en ai quelques-uns. Après, l'idée, c'est d'avoir différentes tailles. Ouais. Il y a différents types de poils. En France, on disait souvent avant ce qu'était des martres, c'était en poil de martre. Okay. Après, il y a des synthétiques aussi. Aujourd'hui, il y a plein de variations différentes. Il y a différents pinceaux suivant différents usages. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est principalement pour la lettre sur des supports assez lisses. Après, si on va peindre sur un mur texturé, pareil, sur vous des saviez choses pas comme ça, ça. C'est spécialement conçu pour les petites. Oui, ça, c'est des pinceaux vraiment spécifiques. Tiens, il est un petit peu gras, c'est pour le protéger. Parce que t'es à côté d'un autre peintre, le coup là. Des pinceaux, oui, j'en ai. Après, l'idée, c'est d'avoir différentes tailles. Des plus poils un peu plus courts, un peu plus longs. Il y en a spécial juste pour faire les contours, qu'on est un peu plus long pour avoir des réserves de peinture un peu plus grandes. Enfin, voilà. Okay. Mais j'en ai pas non plus 50 000. Ouais, de toute façon, je pense qu'une fois que tu as trouvé. Après, il y en a un petit favori sur certaines surfaces, j'utilise certains. Voilà, on a ceux qu'on aime bien, les marques qu'on aime bien, etc. Ça ne m'étonne pas. Après, pour la feuille d'or, il y a des outils un petit peu spécifiques pour. Pour attraper les feuilles d'or, pour les couper, parce que ça, forcément, l'or, si j'ai la feuille d'or, c'est tellement fin. Ça a l'air, quand tu fais les vidéos, vois que ça vole un petit peu. Voilà, tu vois les petits bouts qui sont difficiles à manier. C'est tellement volatile, et puis si tu la touches avec les doigts, ça se désintègre. Donc, en fait, il faut vraiment avoir des outils un peu spécifiques. Mais, même pour faire un effet lisse, moi, j'en avais travaillé sur du cuir. C'est super dur. Enfin, et pourtant, c'était pour. Une marque de mode et on faisait juste le logo de la marque, il avait été martelé avant. Okay. Et du coup, mettre la mixion dans le bon truc et tout, et après venir à poser sans qu'il y ait aucune aspérité, c'est hyper c'est dur évident, en vrai. C'est un coup à prendre, il faut le travailler. C'est vrai, ça crée tes mains quand tu vois les vidéos. Il faut engager la feuille d'or avant de. Oui, c'est ça. Il y a pas le maîtriser parce que je sais pas à quel âge on maîtrise. Coplito qui nous demande s'ils ont déjà volé des lettres d'or à 24 carats. Moi j'ai entendu. Coplito, je sais pas te répondre, mais j'ai pas entendu parler de vitrine qui était parce que c'est de l'or 24 c'est de l'or 24 carats, mais avec c'est tellement fin, c'est-à-dire qu'avec avec quelques grammes d'or ils font des milliers de feuilles, donc oui, puis je pense que c'est plus simple d'aller voler des banques, carnets de feuilles d'or dans un magasin de voiture créative. et, euh,
Et puis en peinture, après, en matériel, j'utilise principalement une marque de peinture. En fait, c'est des peintures... bon, principalement, c'est de la peinture émail, donc de la peinture à l'huile, des lacs émaillés. Donc, il y a quelques marques, mais la plus connue, et moi, celle que je préfère aujourd'hui, c'est la marque One Shot. Donc, c'est des vieilles marques américaines. Et c'est pas forcément évident de s'en procurer parce que, enfin, c'est pas évident, mais voilà, c'est des magasins spécialisés, un peu des délais parfois qui sont. Après, voilà, avec des petits pots comme ça, on peut tenir longtemps parce que c'est des peintures à haut pouvoir couvrant et qui sont. Tu passes une fois et. Suivant les teintes, et des fois sur verre, il y a de la transparence, il y a des contre-jours, des choses comme ça, mais dans l'idée, oui, c'est qu'il y a quand même des hauts pouvoirs couvrants et que ça. Voilà. Moi, c'est de la peinture que j'utilise à 95%. C'est les petits pots jaunes, là, c'est ça? Ouais, exactement, c'est jaune. Et puis, il y a souvent deux tailles de pots. Et puis, Je vois. Voilà. C'est assez épais, c'est un peu... Plein comme ça. Mais le pire, c'est le... Moi, j'aimerais trop essayer un jour le noir. Parce qu'il a l'air... Ça a l'air d'être du pétrole, quoi. Tu peins avec C'est assez satisfaisant. Quand tu le poses, c'est assez satisfaisant. Du coup, c'est de la peinture qui... Quand elle sèche, elle est... Mat, brillante, ou tu peux choisir. C'est un aspect quand même assez brillant. Après, ça dépend des supports aussi, et ça dépend. Ça va dépendre du support, de son application, mais c'est plutôt un aspect brillant. Plutôt brillant, oui. C'est plutôt un aspect brillant. Après, si tu peins à l'extérieur d'une vitre, si tu vois d'abord la peinture, donc tu vois un peu le côté texturé que j'aime bien aussi. Et puis, si tu peins sur l'intérieur, t'as un côté un peu plus lissé parce que t'as le reflet de la vitre avant, et puis un côté un peu plus ombragé qui peut être très joli également suivant les applications, suivant ce que tu cherches. Tu peux vraiment jouer avec et c'est assez cool. Et genre, du coup, c'est les mêmes peintures pour les vitres ou pour pour les murs aussi. Après, des fois, quand c'est des grandes dimensions ou quand c'est pas forcément destiné à durer très très longtemps, on utilise parfois de peinture, mais principalement dans un usage de peinture en LED, de vitrine, d'enseigne, etc. C'est ce que j'utilise. Ok. Il y a Antoine qui nous demande, est-ce que tu crées tes typographies ou est-ce que tu utilises uniquement des existantes? Alors, moi, je ne crée pas de la typo, dans le sens où je ne crée pas des fontes, mais je crée des logos, je dessine des lettres. Après, quand c'est de l'usage, en effet, quand c'est des boulots ou c'est il y a déjà une charte graphique, des choses comme ça, en général, c'est déjà défini, donc il y a déjà des typos. Mais quand je vais créer un logo, en fait, souvent, je crée des logos, donc en fait, je ne reproduis pas forcément une typo, mais je vais vraiment créer un truc spécifique et parfois, je vais y adjoindre une petite typo qui va bien pour faire les petites signalétiques ou les petits mots ou les choses comme ça. De toute façon, vous pouvez retrouver un petit peu tout ce que fait Alexis. Je vous ai mis le lien vers ton Instagram, comme ça, on a d'autres photos aussi, parce que j'en passe quelques-unes, mais tu mets un peu tous tes derniers projets dessus. On a eu plein de petites questions. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce beau métier? C'est l'amour des belles lettres. j'ai toujours. J'ai pas du tout fait d'études en graphisme ou d'études artistiques ou des choses comme ça. Mais j'ai toujours une sensibilité pour les lettres. Ça fait une bonne vingtaine. J'ai 25 ans déjà et j'ai toujours été sensible à ça et ça avait commencé un peu par moi j'ai grandi à Paris donc c'était beaucoup par le graffiti, par les tags, ces choses là cette façon de s'approprier la ville et puis cette liberté folle au niveau de la lettre et je trouvais ça génial donc c'est ce qui m'a amené à la lettre en fait à en dessiner et après j'ai aussi pratiqué mais j'ai fait je me suis amusé toujours autour de la lettre à créer plein de trucs de façon très libre parce que aussi j'avais pas forcément de formation, de choses comme ça, mais bon, c'était comme ça. J'ai fait de la peinture, de la sculpture, du tatouage, beaucoup de dessins. Ça me rappelle quelqu'un qui est sur ce plateau aussi, qui a fait plein de choses. Ouais. Comme quoi, c'est bien, ça me permet de rebondir, mais souvent on me pose souvent la question de savoir s'il faut absolument faire des écoles pour apprendre à faire des choses ou quoi. Mmh. Tu peux croquer, t'inquiète. Mais c'est possible. En l'occurrence, il n'y a plus vraiment d'école de peinture en lettres. C'est ce que j'allais te demander. On en avait parlé rapidement la première fois qu'on s'était rencontrés. Ouais.
Tu me disais qu'il y avait qu'une école plus ou moins qui formait. Vraiment. Enfin, je sais qu'il y a quelqu'un, il y a des formations officielles, enfin officielles. Non, il y a quelqu'un qui forme en peinture LED, je sais même plus où c'est, mais après il y a des formations, enfin il y a des gens qui font des workshops de temps en temps, il y en a qui prennent parfois des apprentis ou des stagiaires ou des choses comme ça. Je pense que c'est vraiment un truc de transmission. Voilà, il y a un truc de transmission et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a aussi beaucoup de parcours différents, de gens qui ont des parcours différents. Voilà, moi, après voilà, pour terminer la question d'avant, c'est vrai que voilà, j'ai toujours été sensible au LED et voilà, pour moi, ce métier-là, c'était une forme d'aboutissement. Et voilà, je suis gardé toujours ça dans un coin de ma tête. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais quand même... Là, j'ai le temps, faut que j'essaye. Et puis voilà, donc je me suis acheté le matériel. Et j'ai essayé, ça m'a plu. Donc voilà, c'était essayer quelque chose en plus sur la lettre, mais en se disant, ça pourrait me faire aussi, ça pourrait être mon métier. Ce serait un peu une forme d'aboutissement. Donc c'est cool aujourd'hui. Mais oui, au niveau des formations, c'est ce qui fait aussi que... Le fait qu'il y ait peu vraiment de formation, tout le monde, tous les peintres en lettres ont un peu leur passé un peu différent, enfin leur vision différente et appris différemment. Et ça crée, je pense, une forme de richesse aussi. Après, puis je pense que du coup, même entre vous, ça doit être chouette de pouvoir échanger un peu et d'avoir ce truc de transmission où tout le monde teste un peu chez les uns les autres, voir comment on fait. Et je sais pas, t'as un truc hyper, hyper humain. Oui, parce que du coup, tu quand même, des fois tu demandes des petits à droite à gauche. Oui, parce que fait 4 ans que je fais ce métier, je me sens pas du tout comme un peintre en lettres accompli et je pense qu'il faut des années. Pourtant, des années. T'as déjà des trucs vraiment stylés, quoi. Oui, non, mais je suis peintre en lettres de métier, mais je pense qu'il y a encore plein de techniques que je n'ai pas faites, que je connais pas, et puis je pense que même il faut des années avant de. Pour transmettre à fond et être, je suis encore en train d'apprendre plein de trucs et il y a plein de choses que j'ai envie de faire, donc c'est cool, mais faut prendre le temps au temps aussi. T'as bien raison. Il y a Studio Raphaël qui nous demande pourquoi le client choisit la peinture en lettres plutôt que le stockage vinyle. J'allais poser la question, donc c'est parfait, vous posez les mêmes questions que moi maintenant. Elle me dit, je me doute de la réponse, mais j'aimerais savoir s'il a des feedbacks de ses clients. Souvent, c'est quand même des gens qui sont sensibles à l'artisanat. Ouais. Alors, en effet, comparé au vinyle, le vinyle a forcément un coût moindre. Ça imprime du plastique, donc après, voilà, si on a cette sensibilité-là, des fois, on se dit, bon, je vais essayer peut-être éviter d'imprimer des stickers, des choses comme ça. Il y a une durabilité qui est forcément moindre avec les stickers. Et puis, il y a une... Pour moi, c'est aussi... J'ai fait un peu ce métier-là pour faire un peu revivre des... Voilà, j'étais sensible aux très vieilles enseignes, et ça m'a toujours fasciné. Donc, pour faire revivre ces métiers, ces beautés du passé dans un monde un peu fou d'aujourd'hui. Et moi, aujourd'hui, et aussi parce que j'étais... complètement énervé de voir une uniformisation graphique et en fait tous les magasins se ressemblent après, toutes les typos sont à peu près les mêmes, les placements, les stickers, et je trouvais que ça manquait de richesse graphique et visuelle, donc il y avait une standardisation qui est faite un peu, après bon, on peut faire sûrement des belles compositions, mais en sticker, c'est pas le problème, mais en général, les gens qui choisissent la peinture à lettres, il y a une sensibilité pour avoir quelque chose déjà de personnalisé. C'est aussi le côté fait à la main. Ça va humaniser l'ensemble, en fait. Ouais. Quand on ne se rend pas forcément compte, mais quand c'est fait à la main, il y a un côté qu'on ne pourra jamais avoir avec le plus beau des stickers. Donc, c'est aussi une réflexion un peu plus personnelle, parfois autour des projets, réfléchir en termes de positionnement, de placement, trouver les petits tips qui vont bien, les petits effets de lumière, d'ombrage, de 3D, de volume, vraiment faire quelque chose de spécifique et puis essayer de mettre en valeur au plus possible l'établissement. Ouais. L'idée, c'est pas que non plus que l'enseigne, on regarde que l'enseigne, non, c'est de mettre en valeur l'établissement. Je ne dis pas qu'on ne veut pas le faire en stickers, mais... Du coup, je trouve ça hyper, hyper beau, finalement, ta manière de voir les trucs, parce que, effectivement, tu es un peu le passeur d'un métier qui existe, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, c'est un métier qui existe depuis des siècles depuis le début du commerce, des enseignes. Ça a commencé à l'époque médiévale, j'ai pas la date exacte, mais j'avais fait un sujet là-dessus où en gros la signalétique a toujours plus ou moins existé, mais la peinture sur bois ça a été rendu obligatoire par Richard II d'Angleterre, si je dis pas de bêtises,
qui avait demandé à ce que toutes les boutiques justement aient des petites enseignes en bois. Okay. Et du coup, ben, à l'époque, le seul truc qu'on avait, c'était la peinture. Donc on a commencé comme ça. Donc du coup, ça remonte à il y a très très longtemps. Donc tu passes un métier qui, ouais, puis, mais qui est hyper vieux, quoi. Qui est vieux. Et puis c'était, enfin moi, quand je me nourris aussi beaucoup d'images de vieilles enseignes, souvent du début 20e, années 60-70, enfin après aussi, mais avant-guerre. Et il y avait une sacrée fierté des commerçants pour leur enseigne. Et toutes les photos, c'est les commerçants qui posent devant leur enseigne. Ils avaient leur nom, ils avaient leur truc. Ouais. Voilà, c'était leur boutique, c'est la façade. Et en effet, la façade, c'est le premier truc qu'on voit de l'extérieur. Donc faut quand même que ça donne envie aussi. Et il y a plein de façons d'attirer l'œil élégamment et de façon... avec des belles lettres. C'est ce que j'allais dire. Du coup, moi, tu me mets deux boulangeries, une avec une typo, tu vois, plastique collée dessus, ou une peinture en lettres. En fait, tout de suite, j'ai l'impression que je vais mieux manger dans la boulangerie. Ouais. Ça va être plus quali, quoi. En fait, il y a un peu ce gage de qualité, parce que même dans l'enseigne, ils ont pris le temps pour faire bien. C'est ce que j'allais dire. Ils réussissent, ils marchent bien. En général, les gens qui choisissent de faire des enseignes comme ça à la main, ils ont déjà la sensibilité de l'artisanat, du travail de la main, surtout quand on, en effet, en rapport au métier de bouche, c'est beaucoup de moi je fais beaucoup de restaurants, autour du vin aussi, ou des boulangeries, enfin des boulangeries. Ça voilà, se voit, c'est parce que t'es fan jusqu'à la petite chemise, il y a un petit verre de vin sur le... Oui, c'est une autre de mes... Je fais plein de choses, hein. Je suis peintre en lettres, mais je fais aussi plein d'autres choses. Mais... oui, en général, les gens, enfin la sensibilité, forcément. J'ai rarement. Oui, c'est un tout, quoi. On choisit pas ça par hasard. Non. Comme après, ça, juste parce que ça fait bien, quoi. Exactement. En général, ça recoupe plein de choses, plein de discussions, plein de. C'est les métiers de la main, c'est les valoriser aussi, quoi. Je trouve ça. Mais du coup, moi, je me demandais une chose. Tu parlais d'artisanat. Est-ce que tu sais si le métier est répertorié dans la liste officielle des métiers d'art? La liste est longue. Ouais, mais je suis pas sûr, parce que moi, quand j'avais dû faire, d'un point de vue juridique, j'ai pas trouvé vraiment. Il y a marqué peinture en lettres, mais il y a pas un code. Enfin, j'ai pas trouvé de code spécifique peintre en lettres. Ok. J'imagine que. Je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est pas enseigné officiellement? Je sais pas. Peut-être. Je sais que c'est. Je crois que c'est. Enfin. Aujourd'hui, on en parle dans les CAP signalétiques, comme c'était mentionné, mais je crois que c'était jusque dans l'année fin des années 80, si je ne me trompe pas, hein, je peux me tromper, que c'était vraiment enseigné un peu davantage. Ouais. Et avec l'arrivée des imprimantes des stickers, c'est moins cher, c'est bon. On s'est dit, il n'y a pas d'avenir. Et... Bon. L'idée, c'est aussi de redonner un avenir. Ouais, après, c'est pas parce que tu n'as pas un code NAF, du coup, c'est comme ça qu'on appelle rien qu'à toi, parce que la broderie, c'est pareil. Il n'y a pas de code spécifique pour la broderie à elle seule. C'est les métiers du textile et de la mode. Voilà. Mais c'est quand même dans la liste officielle de métiers d'art. Après, ça ne m'étonnerait pas que ça y soit, ou en tout cas que ça revienne, parce que c'est un métier qui est en train de revenir. Ça fait du bien, en fait, je trouve, parce qu'on commence à voir de plus en plus de peintres en lettres, on sent que ça revient, parce que justement, il y a ce truc de retour en arrière, de retour à du fait main, et c'est bien, ce switch qui est en train de se faire, donc j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Il y a une question, quelqu'un demande si tu exerces uniquement en France ou aussi à l'étranger. Je suis déjà allé en Suisse. Où est-ce que je suis allé pour en tant que peintre en lettres, non, je crois que c'est le seul que j'ai fait à l'étranger, je réfléchis. C'est déjà vachement bien. Ouais. Oui. Ouais, mais en France, après... Je me demandais si tu étais principalement dans la région lyonnaise ou si tu bougeais un peu partout en France. Moi, j'habite à Lyon depuis 5 ans à peu près. Donc oui, je travaille principalement à Lyon. Après, j'ai vécu quasiment tout le temps à Paris. Sinon, j'ai pas mal travaillé à Paris, donc j'avais aussi un peu de réseau et je retourne régulièrement à Paris pour travailler, c'est un plaisir. Et puis de temps en temps des déplacements, là il faut que j'aille à Clermont-Ferrand une ou deux fois. Après je suis aussi basé aussi en partie en Bourgogne, donc j'essaie de trouver des trucs là-bas. T'avais déjà fait des enseignes en Bourgogne là? Ouais, j'ai fait des petits trucs et puis... Où ça? Je suis de là-bas, je vais aller voir. À Semur en Auxois. Ok. Tu connais? Bah j'habitais à Dijon avant, donc je connais un petit peu. Ok. Les petits alentours. Voilà. Donc très beau pays de l'Auxois. Mais mais non, après un pour peu, le vin aussi nickel. Exactement. Best of both worlds. Tu vas en Bourgogne, c'est bien.
Et puis ouais, après je me déplace, après bon c'est parfois un peu d'organisation pour les déplacements d'un point de vue familial on va dire quand on a un bébé, mais oui c'est toujours un plaisir, après des fois c'est hyper, hyper rapide, on n'a pas le temps de profiter, ouais. Mais bon. Alors on a deux petites questions dans le chat. Il y a Sergis qui nous dit intéressant ce sujet. Ah, j'étais allé au Portugal, pardon, j'y ai pensé. Ah. Mais voilà, pardon. Ah, ça doit être sympa là-bas pour faire ça. Quelqu'un qui a travaillé 10 ans dans l'enseigne et la signalétique, il a toujours travaillé avec du vinyle et il a pourtant une large une préférence pour les créations en peinture qui sont beaucoup plus originales et créatives. Donc c'est pas vraiment une question, c'est un commentaire, pardon. Et il y a une question sur quel est ton premier projet. Qui a fait que tu t'es dit ok ça sera mon métier Et bah c'était pour ma première peinture, c'était pour une enseigne pour qui en fait je travaillais avant, c'est un de mes meilleurs amis et voilà il m'a généreusement fait confiance pour merci d'ailleurs je sais pas si elle regarde mais j'imagine il m'a généreusement fait confiance pour la peinture de ses merci bureaux. Merci à tous ses amis qui merci c'est notre quotidien pour nous. Trop bien, ok. Voilà. Donc moi j'avais encore des questions. Si vous avez encore des questions dans le chat, n'hésitez pas. Hein. On essaye de répondre à tout le monde. J'avais une dernière question qui est pour le coup un peu personnelle parce que je sais que j'ai du mal à travailler quand on me regarde travailler. C'est un truc moi ça me stresse. Mais du coup toi, ton métier fait que les gens, les passants, ils te voient en train de faire l'enseigne. Donc, est-ce que toi, t'es un peu stressé quand tu vois, t'as tous les regards qui se braquent un petit peu sur toi pendant que tu... Moi, je suis pas stressé. Non, je suis pas stressé du tout. Parfois, c'est les réflexions qui sont plus. Voilà, tous les peintres en lettres ont toujours les mêmes blagues tous les jours. C'est il y a une faute ou c'est pas droit ou ça s'écrit pas là. C'est toujours la même chose, mais non, après il y a beaucoup de gens quand même qui s'arrêtent pour regarder parce que voilà, il y en a qui des gens qui connaissent ce métier, il y a aussi des personnes plus âgées qui disent « Ah, je ne savais pas que ça existait encore », ou des choses comme ça existe depuis longtemps, c'est génial. Ça leur fait trop plaisir Après, il y a plein de réflexions positives. Les enfants, j'adore les réflexions des enfants. Une fois, j'ai une petite fille qui m'a dit « Ah, je veux faire ça comme métier plus tard », j'ai dit « Génial », voilà, c'est cool. Meilleur commentaire. Il y a des gens aussi qui sont un peu ils voient le geste, c'est un peu fascinant et c'est vrai que ce geste est un peu hypnotisant faire, et moi une fois j'avais vu aussi comme ça trop. Moi, j'étais jeune dans la rue, j'avais trouvé ça un peu hypnotisant en fait ce geste et cette exécution et voilà donc il y a quand même pas mal de gens qui s'arrêtent après il y en a qui c'est juste pour dire un petit compliment et des fois c'est il y en a qui tiennent la grappe une heure mais tes petites vidéos là où tu peins je pourrais regarder ça pendant des heures m'apaise. Voilà, ça c'est l'exécution, mais le métier de peintre en lettres, le temps de peinture sur un projet, c'est minime par rapport au. Non, mais c'est, je sais pas, ça dépend des projets, mais des fois c'est. Enfin, c'est. Voilà, il y a beaucoup t'as toute la préparation beaucoup avant. Préparation, beaucoup de choses comme ça, c'est pas juste. Le métier de peintre en lettres, voilà, c'est pas juste. Mais moi d'ailleurs, j'avais une question sur une des étapes d'avant. Un truc qui m'a particulièrement trigger, c'est comment vous le reproduisez sur la. Parce qu'en fait, c'est la même technique que pour la broderie. Ouais, et puis c'est les mêmes techniques qu'il y a des dizaines d'années. C'est ça. En fait, les outils ont à peine évolué. Mm. Et en fait, oui, on a le visuel et en fait, on va perforer. Souvent, c'est reproduit sur du papier assez fin. Et donc soit juste les contours qui sont imprimés ou juste dessinés surtout principalement et on va perforer en fait les contours des visuels ou des lettres avec une petite roulette avec des pics pour découper différentes tailles pour en fait poinçonner tous les contours. Et on va ensuite donc vraiment caler le visuel juste vraiment là où on veut qu'il soit. Et on va venir tamponner le visuel avec un petit, en gros, de la poudre de craie. On a vraiment tout le. On a juste à suivre. Juste à suivre, oui, voilà. Comme on est parfois sur des échelles, on n'a pas forcément du recul, etc. Ouais. Oui, c'est un métier dangereux. Et du coup, j'imagine que quand tu le fais sur même la devanture, tu le fais en droit, mais si tu le fais à l'intérieur, genre, tu dois le faire à l'envers. Tu dois faire ton calque à l'envers, oui. Du coup. Voilà.
Oui, il faut y penser des fois avant, après. Bon, ouais, souvent sur ouais, 8, il y a de la transparence. Donc, donc ça va. Après, voilà, il y a plein de tips. Tout le monde dit que c'est satisfaisant et hypnotisant pour le mot. Mais c'est vrai que c'est ça. Oui, moi, c'est un peu ça, ouais. Ouais. Tu vois, tu regardes et puis tu fais... À chaque fois, mais ça s'apprend, ouais. Hein, je veux dire, moi, j'ai jamais en fait, fait ce geste. J'aurais trop peur d'être... Je pense que mon papa serait ultra fort à ça, parce que lui, oui, il a une oui, après, minutie. Forcément, il faut être un peu minutieux, j'imagine. Ouais. Non pas que je sois pas minutieuse, mais j'ai trop peur de me planter, et du coup, ça me... Mais c'est pour ça, mais en même temps, on a toujours... On n'est pas à main levée, on a toujours... Vrai, on s'appuie. Un bâton, parce que j'ai un bâton, mais l'idée, c'est de reposer le poignet, parce que si on peut, personne ne peut faire des choses comme ça. Donc ouais. Souvent, c'est le petit doigt comme ça, ou, le, ouais, ou les deux, souvent, puis un bâton, ou le bras. Mais il faut reposer le poignet pour pas trembler, parce que sinon, c'est pas... Mais c'est ça, en fait, on en parlait avec Laura Lullier il y a pas longtemps, parce que justement, on a vu un événement où Toto, tu t'étais en train de peindre en live devant des gens. Ouais. Et en fait, on voyait toi et Bart, et du coup, des fois, vous posiez pas du tout le ouais, poignet. Et je me disais, mais comment vous faites quoi, pour tenir aussi longtemps? Et c'est vrai que toi, t'as le petit bâton qui permet justement de reposer un peu. Ouais, bah mais parce que aussi, c'est des gestes. Je voilà, le fais c'est aussi des fois, mais sans forcément le bâton, ouais, mais tu sais, mais en posant voilà, la c'est main. Souvent ouais. La main ou le dos. Des le fois, doigt, quand c'est des gros mouvements, tu sais, la peinture, c'est pas là. C'est quand pas t'as des gros mouvements, ça dépend des surfaces aussi. Ouais, quand ça accroche un peu, t'as pas forcément besoin. Ouais. Tu peux le faire. Il y a plein de techniques. Moi, des fois, je fais un truc bizarre, c'est je chope l'arrière du pinceau comme ça. Pour le m'en servir ah ouais, comme ouais, un, oh ouais, un puis tu bouges avec cette main-là et tu ouais, stabilises avec et celle-là main en devant, fait elle reste fixe et puis, ouais. Nice. Je connaissais pas ce petit tips ouais, n'hésitez pas à hésiter chez vous à tester chez vous je sais plus parler ce soir. On a une dernière question et puis après on passera aux petites questions tac au tac. Est-ce que ça marche comme le tatouage avec les stencils que vous pouvez effacer et replacer pour les repères si ça convient pas ou est-ce que c'est en one shot? Non, à fond, on peut les changer de place. Parce que comme c'est de la poudre de craie, ils vont, ah avec oui, le doigt, ça s'efface et puis on recale ça. C'est pas mal ça. Non, parce qu'en broderie, tu peux pas. Toujours, ouais, tu testes un peu, est-ce que voilà. C'est centré est-ce que... Bah, après, on prend les repères avant, mais c'est oui. Plus pour valider les positionnements. Oui, il y a, des fois, y a beaucoup d'étapes de préparation, j'imagine, pour que bah, tout quand soit même, bien oui, calé. Suivant le projet, c'est différent, mais oui, il y a toujours un peu de préparation. Et quand tu passes du coup avec ta peinture sur la poudre de craie un peu, tu le ressens au pinceau ou ça, bah, ça en général j'essaie de enfin après suivant les supports mais en général j'essaie de passer vraiment juste de frôler en fait ouais, je prends les okay. Quand je fais mes petites roues je prends l'extérieur du contour okay, d'accord, pour ouais, pouvoir vois. Vraiment et passer après, sur l'intérieur suis... et puis okay. Après des fois recouvrir en fait mais on le sent pas vraiment parce que c'est tellement fin ouais. Ouais. T'as pas le pinceau qui s'imbibe de craie non qui... en général okay. Non est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a peut-être pas abordé parce qu'on connaît pas le métier et dont tu voudrais parler ou parce que c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles enfin moi vu que je connais pas ce métier je pense pas forcément mais peut-être qu'il y a des trucs que j'ai oublié. Non je pense qu'on a un peu cerné l'essence du métier après moi je peux. Voilà, c'est cool d'en parler puis d'essayer de faire un peu plus, toujours plus connaître ce métier parce qu'il y a toujours plein de gens qui me disent je savais pas qu'on pouvait faire ça à la main, ou des commerçants qui me disent si j'avais su, j'aurais bien aimé, etc. Donc plus on en parle et plus il y a de peintres en lettres, mieux c'est parce que plus ça fait vivre ce métier. C'est le but de cette émission. Voilà, et plus les gens aussi voient en fait, quand les gens ils voient la valeur ajoutée de l'enseigne et du travail et à quel point ça amène quelque chose de plus humain et de plus joli sur une enseigne ou sur une vitrine bah ça leur donne envie donc plus ouais. Pour moi plus il y a de peintres en lettres qui font bien le métier je pense que ça va bien revenir là bah, c'est ça cool. Commence trop déjà ça commence et puis après voilà après il y en a beaucoup qui font ça un peu comme ça c'est pas forcément ouais. Leur métier principal ou etc et puis c'est cool aussi on a d'apprendre ça juste comme une discipline hein, j'aimerais bien tester un jour mais je pense ouais que... faudrait faire, faire des ateliers chez moi. Des petits workshops des petits trucs mais ça c'est comme ça que j'ai ça un peu travaille. Appris ouais quoi. J'ai vu que tu faisais sur des petites planches en bois ouais j'ai fait sur plein de supports et ouais. Puis pendant des semaines je me suis entraîné à faire des traits droits ouais mais de toute façon il n'y a pas de, voilà, pas de secret puis, comme on dit non il n'y a pas de secret. Il faut prendre le temps pour apprendre, faire plein d'erreurs, ouais. Surtout. Et c'est ouais. Comme ça, parce que faire plein d'erreurs moi, c'est cool, et puis j'ai réfléchir. Peur de faire des erreurs non, mais quoi, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner, apprendre à faire des erreurs et puis apprendre de ses erreurs, c'est comme ça. Enfin, moi, c'est pas universel, hein, je parle de mon parcours.
mais c'est comme ça que j'ai appris en faisant des, en essayant, en se disant ah bah mince, si c'est pas comme ça, là la peinture elle est un peu, elle a ces textures là, comment je peux faire pour la fluidifier, ou alors mince, là ça se passe pas comme prévu, et puis c'est comme ça qu'on avance. C'est pour ça qu'en fait c'est un apprentissage tout du long, tout je pense que c'est des genres de métiers où on a jamais fini d'apprendre, c'est ça qui est intéressant. On a une dernière petite question. Cette fois, c'est la dernière. C'est deux fois que je dis ça, mais... Dante qui nous demande, c'est quoi la tendance ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes, justement ? Plutôt, oui. De plus en plus, oui, il y a de la demande. Après, c'est pas... Enfin, il y a des gens qui... Tu vois pas trop de différence entre... Si, parce que depuis 3-4 ans aussi, depuis que j'ai démarré au début, bah, le temps de se faire connaître, etc. Il y a eu, entre les confinements, les trucs, il y a eu un peu des pauses, on en parlait, mais... Si, il y a quand même maintenant, voilà, il y a une demande qui est assez régulière. Après, il y a beaucoup de projets qui sont très différents, parce qu'entre ceux qui connaissent pas trop le métier, ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent, les demandes sont très variées également. Et puis après, moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est faire plein de choses différentes. Donc, en ce moment, j'ai plutôt pas mal de trucs différents, donc c'est assez sympa. Trop bien, voilà. C'est varié. Mais c'est plutôt, oui, il y a plutôt pas mal de demandes. Mais du coup, on ne sait jamais si vous avez une enseigne chez vous et que vous voulez avoir quelque chose d'unique et et de fait main, n'hésitez pas à appeler Alexis, il fera des choses très chouettes. On va passer aux petites questions tac au tac, donc c'est des questions très rapides. Je vais te demander du coup de choisir entre deux petites choses. Allez. Voilà, il y a 10 petites demandes, ça va aller assez très vite. Vous connaissez, c'est plus ou moins Combini, voilà, c'est le classique. Donc on va commencer tout de suite. Majuscule ou minuscule ? Majuscule. Ok. Apprendre ou transmettre ? Apprendre. Ok. D'abord, transmettre après. En musique ou dans le silence ? Dans le silence. Ok. Est-ce que tu préfères peinture ou feuille d'or ? S'il n'en restait qu'un, peinture. Ok. Est-ce que tu préfères dessiner les pleins ou les déliés en typographie ? Les pleins. Ok. Est-ce que tu es plutôt salé ou sucré ? Salé. Vu que tu travailles pas mal dans la food. Ouais. Est-ce que tu te considères comme artiste ou artisan ? Artisan. Ok. Observer ou faire ? Faire. Saucisson brioché lyonnais ou croque-monsieur parisien ? Lyonnais. Yes ! Et enfin, écouter ou parler ? Écouter. Ok, merci beaucoup pour ces petites merci questions tac au tac. C'est un petit peu nouveau le format tac au tac. Je ne sais pas si vous aimez, mais écoutez, je me dis que ça peut être sympa. On va essayer de faire ça à chaque émission maintenant. Merci beaucoup d'avoir parlé de ton métier comme tu l'as fait avec passion. Et si on a qu'on d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer voilà, des messages. C'est ce que j'allais dire. Si vous avez des questions, si vous regardez cette vidéo en replay par exemple, et qu'il y a des questions qui vous viennent auxquelles on n'a pas répondu. Voilà, vous pouvez contacter Alexis, je vais vous remettre une troisième fois le petit compte Instagram, comme ça vous pourrez suivre tout ça de très près. J'aime trop le tac au tac pour les invités. Bon bah parfait, écoutez, je pense qu'on va continuer ça et puis on va voir si ça vous plaît sur le long terme. Merci encore beaucoup, voilà, je suis très très contente de t'avoir reçu, qu'on ait pu parler de ce beau métier. J'aurais dû faire mon mémoire de master sur ce sujet et finalement ça a été autre chose, pas de mon choix, mais je voulais parler de ça. Bah, donc du cool. coup c'est un peu une revanche aujourd'hui de pouvoir parler de ce métier, donc merci beaucoup. Non mais c'est cool, il y a plein de façons de faire vivre la lettre et travailler là-dedans, et c'est un des métiers dans lequel il y a encore plein de choses à faire. Et c'est vrai que c'est un métier dont on parle pas trop, enfin moi j'ai fait une école de design et on parle pas énormément. D'ailleurs, je voulais faire un petit coucou, je ne sais pas du tout s'il regardera un jour cette émission, mais à Pierre, qui est mon ancien professeur d'école, qui m'a appris beaucoup, beaucoup de choses, notamment cet amour de la peinture en lettres. Donc, merci à lui. Je lui dédie un petit peu cet épisode. Merci beaucoup. On arrive sur une fin d'émission. Je vais vous faire un petit topo des prochaines émissions, parce qu'il se passe plein de choses pour les prochaines émissions. La prochaine, ce ne sera pas le premier jeudi d'avril, ce sera le 30 mars, donc le jeudi 30 mars, tout simplement parce qu'on fait une émission avec les étudiants de Sup de Pub à Lyon. Ils vont préparer plein de chroniques, j'en ai trois avec moi en plateau ce soir, mais ils vont vous préparer plein de petites choses, des animations, etc. Et l'invité
sera Bart Lanzini, qui est un artiste lyonnais qu'on apprécie beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Ça s'annonce assez chouette. Ce sera une émission un petit peu hors du commun. Il y aura des petits happenings, des petits trucs. Donc ça va être assez chouette. Donc voilà, vous pouvez d'ores et déjà booker votre jeudi 30 mars. Donc ça, c'est pour la prochaine. Il n'y aura donc pas d'émission en avril, mais c'est pour la bonne cause, puisque nous allons revenir le 4 mai avec une émission en public dans une école. Donc, il va se passer pas mal de choses. Ça va être une émission un peu spéciale. Ce sera l'émission anniversaire, tout simplement parce qu'on fêtera les 1 an d'Héliocast, déjà. Oui, ça passe très, très vite. Et on va faire en sorte de faire plein de petits jeux, de faire des petites choses aussi, de faire bosser un petit peu les étudiants. Ils vont faire les jeux avec nous, de les faire participer le plus possible. Donc voilà, les deux prochaines émissions seront un petit peu particulières, mais c'est aussi le moment de se faire un peu plaisir et de tester des nouvelles choses. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, il y aura aussi des chill chats. Donc le prochain chill chat, c'est dans 2 semaines, pareil, jeudi après-midi. Vous pourrez retrouver toutes ces infos si vous suivez le compte Instagram heliocast.tv. Et vous pouvez aussi rejoindre le Discord. Donc voilà un petit peu pour toutes les infos des prochaines émissions qui arrivent, donc pas mal de petites choses. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à partager l'émission, n'hésitez pas à sub si vous le souhaitez, vous pouvez même faire des dons, il y a des petites contreparties sympas. Et je sais qu'il y a eu des petits coups de cœur sur les mugs Heliocast, donc c'est pas... impossible que les mugs reviennent en contrepartie Tipeee. Donc voilà, tenez-vous au courant de tout ça. Je vous ferai des petits posts à droite à gauche sur tout ça. Et puis voilà, on va vous laisser finir votre petite soirée. Merci à tous les trois d'avoir participé ce soir. Ça m'a fait très plaisir de vous recevoir. Merci à ma régie qui est au top comme d'habitude. Merci à mon petit public de ce soir. et on vous laisse du coup sur le générique avec du coup toutes les personnes qui travaillent très dur sur cette émission avec moi, et je les remercie beaucoup. Si vous voulez faire un petit coucou, c'est le moment. Le dernier petit au revoir avant des qu'on bisous. Parte. Des bisous. Plein de bisous. Salut. Et ciao. À bientôt. Salut! Ciao tout le monde, ciao Saturne, ciao Dante, merci beaucoup d'avoir suivi ça, vous êtes au top.